Salut à tous et à toutes, c'est Gloglois71 et on se retrouve pour l'épisode 3 de Hard Life. Donc une fois de plus, je vérifie. Oh là, c'est bon, je suis en hard. Donc on reprend le matin. Donc cet épisode, vous pourrez le regarder. Je vais sûrement mettre des parties en accéléré parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle, mais je vais surtout me concentrer sur le minage. Donc voilà, pour certains, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Je suis désolé, mais bon, il faut bien. Si je veux me faire une ville, enfin une bonne maison, il faut de la cobble. Et si je peux, d'autres trucs trouver en chemin. Donc, je me fais quelques torches, comme j'en ai pas beaucoup. Donc, j'en garde sur moi. Un peu de charbon. Voilà, ce sera fait. Alors là, je le fais vraiment en fermant les yeux pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce. En cliquant sur F3, on peut voir les monstres. Là, je vais m'en servir, mais c'est pas pour tricher, c'est pour voir à quelle hauteur je suis. Parce qu'il va peut-être me falloir aussi des trucs en diamant. Enfin, il va me falloir du diamant pour faire une pioche en diamant qui va me permettre de récupérer l'obsidienne pour aller dans le Nether. Je regarde rapidement à combien je suis et je suis à 67. Oui, j'ai à miner. Hein. Je pourrais faire une... Non, d'ailleurs, une Water Leader, pour ceux qui connaissent, ça ne marche plus. Alors, bah dommage. Ah bah yonk. Bon, on commence bien. Je fais des réserves de début. Je sais pas si vous voyez du charbon. Donc je le redis, si vous voulez pas regarder l'épisode, ce n'est pas grave, je vous en voudrais pas. Ce sera pas passionnant. Hop là. J'ai pas de pelle. Hein. Tout, tout, tout. J'éclaire un peu, sinon vous voyez rien. Donc oui, je vais pas me faire une mine compliquée, hein. Vous avez vu, je creuse comme ça. Alors, je sais pas si je vais y arriver quand je vais faire le montage, mais normalement cette partie est en accéléré. Je ne sais pas. Peut-être. Quoi qu'il en soit, je continue. Je vais essayer d'aller jusqu'à la couche 6 et peut-être que par miracle je trouverai une grotte, ce qui m'empêchera de creuser énormément. Encore du charbon. Ah bah partout. Je vais mettre la lumière pour vous voyez un petit peu. Voilà. Non bah c'est bon. Pour les torches durant l'expédition, j'aurai largement assez. Bon, c'est bon, je suis tombé sur un gros filon. Là, juste, je sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, je l'ai entendu, j'ai cru entendre un bruit de zombie. Ben, un rogue. Oh, une fois de plus, je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, je vais mettre ma cobble là. Ouais, je ne peux pas creuser, alors je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Que voilà, comme ça, vous ne pouvez pas creuser. Alors, je sais pas, ça arrive de temps en temps. Pas trop ce que c'est. Bon, très souvent, moi, ce que je fais quand ça pète, c'est que... Voilà, je contourne. Et ça marche. Bon, peut-être que je descende, moi. Hop là. Alors, pareil, si vous ne voyez rien, voilà, je suis désolé. Ouais, du zombie tout près, hein, donc j'ai encore mon épée en fer sur moi. C'est pas bête que je meure, mais bon. Donc à moins que ce soit un zombie, enfin si c'est un zombie, c'est le bruit. Bon c'est peut-être un monstre, enfin un Walker Shadow ou un mort-vivant, parce que je les ai un petit peu... Oula, appris. Surtout que j'affiche sous les yeux en fait, ce qui m'aide un peu, donc je pourrais retrouver les noms plus facilement. Or ce que je fais, pareil, je suis un petit peu un lâche. Très souvent je mets F3 pour voir où sont les zombies, éviter l'imprévu et savoir à quoi je m'attends. Mais je n'ai pas l'air très très loin. Mais allez, pour respecter mon quota d'action dans chaque épisode, je vais essayer de trouver ce donjon. Je me rapproche là ou pas? En même temps, ça fait un peu de cobble. Oula, je suis pas loin. Peut-être au-dessus? Je sais
pas où c'est, mais c'est pas loin. Ah, parce que je suis morte. Bon. Un bruit mais comme pas possible. Bon, je vois de la redstone là, ça m'a l'air d'être une grotte, donc il y a peut-être des monstres. C'est sûrement là-dedans qu'ils sont tous là. J'avance prudemment. Ouais, le premier. Il a l'air d'en avoir plusieurs. Ah bah deux. Alors à droite, rien. À gauche. Ah, Mostone, ou un donjon. J'allais dire assez ouvert. Elle est bourrée. Attends, tu vas peut-être derrière moi. Ouh là là, il y a du monde, il y a du monde. Non. Non. Oh non. Ah bah là, vous venez d'assister à ma quatrième mort et sûrement celle qui me causera... Oh non, et j'ai plus de fer. Oh non. Bon, je vous l'avais dit dans le premier épisode, je suis pas très débrouillard au combat. Mais vraiment, là. Oh non. J'ai plus de temps, j'ai plus rien. Oh là là. Bon allez. Je pars à la rescousse avec une épée en bois. Et à mort le zombie. J'allais récupérer mes objets parce que j'ai tout ce qu'il faut pour miner deux. Dedans, là. Tout ce que j'ai perdu. Oh non, j'avais une pioche en fer, une hache en fer, une... J'aurais dû poser tout ça en même temps, je suis bête. C'est pas malin. Oh, c'était là-dedans. Ensuite j'ai continué par là. En plus comme j'ai pas creusé droit, ça fait un sacré dédale. Ouais là. Je vais récupérer mes affaires avec une épée en bois. J'hallucine. Allez, mourrez tous. Oui. Le problème, c'est qu'il y en a tout le temps tant que j'ai pas posé plein de torches autour. Oui. Oh bah dis donc. C'était pas simple. Alors. Ah ça par contre, ça fait toujours... Oh, un disque de musique. Ça fera l'ambiance parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est hyper rare. Enfin, moi je trouve ça rare en tout cas. Oh, allez donc. J'ai du bol à faire et tout ça là. Oh, je suis bien tombé. Ça m'a coûté une mort, mais ça valait la peine. Qu'on remette tout ça en ordre. Vous avez vu? La preuve qu'une pioche en bois, c'est... Enfin, une... tous les objets en bois, c'est pas résistant. Mon épée est déjà morte alors que j'ai tué trois bonhommes, quoi. Bon, bon. Bien abîmé. J'ai l'impression... Alors, c'était quoi? Je sais pas si vous avez entendu, j'ai cru entendre un... creeper explosé. Bon, je récupère la moustone, hein, parce que c'est vraiment quelque chose... Bon, pas primordial, mais... qui peut faire pas mal pour une maison. C'est un peu stylé. Donc, je sais pas, enfin oui, moi je joue avec ce pack de textures, je sais pas, vous pourrez mettre en... commentaire ou si vous voulez que je joue avec un certain pack qui vous trouvez donne bien et avec lequel vous voudrez me voir jouer. Alors ça bug là. Bon, c'est bon, ça buguait mais je crois que ça reprend, ça marche. Ouais. Hop là. Les coffres qui volent. Bon. Bah j'ai bien réussi hein, ça va. Donc le premier donjon qu'on voit tous ensemble. Ah, de la lave. Ah, c'est dommage, là, j'ai des... Il faudrait déjà un peu de diamant, si je me ferai une pioche, et je viendrai ici pour prendre un petit peu d'obsidienne. Alors là, pareil, le commentaire, là, your time is no. Alors, je sais pas si your time is no, parce que no, pour mes connaissances très peu approfondies, c'est maintenant. Je sais pas si, au contraire, c'est que c'est fini. Donc, que je vais crever, mais... Ça existe. Donc là, en plus, on vient de voir, c'est les assassins, je l'ai sûrement déjà dit, mais oui, les assassins, on peut les recruter.
Oula, j'ai cru entendre un bruit de zombie encore. En plus, je vois que ça, c'est dommage, parce que dans les nouveaux, il y a ceux, enfin, ceux qu'on appelle... Oula. Ah bah si, ça l'empêche pas. Je croyais que mettre des torches, ça les faisait pas apparaître, mais apparemment si. Je sais qu'on peut le casser. Alors, je savais pas que ça allait aussi vite. Oh voilà, y a plus rien. C'est vrai que je suis bête parce qu'avec toute la redstone et tout ça, j'aurais pu faire un piège qui m'aurait permis de récolter des plumes faciles, mais bon, les plumes pour les flèches, on peut très bien faire une réserve de poules avec ça. Marche aussi bien. Donc comme je disais, oui, au lieu des zombies, je pourrais peut-être trouver dans les grottes des Herobrine, donc c'est des morts-vivants, ou les Walker Shadow. Voilà, c'est des dons un peu... Voilà, pas chercher. Pas d'adjectif. Bon, la redstone. Donc oui, je pense que j'en aurais beaucoup besoin pour des pièges, parce que je serais à mettre ouais, des pièges quand par exemple un monstre passe, tout crame autour de lui, ou je sais pas trop. Donc je regarde, une fois de plus, c'est pas pour tricher, mais pour savoir à quelle hauteur je suis, parce que vous savez que le diamant... ce n'est qu'un très peu de couches différentes. Là je suis à 14, donc normalement ça devrait aller. Pas forcément le meilleur endroit pour en trouver, mais... Apparemment 14 c'est pas trop mal. Peut-être descendre encore un ou deux. Parce que oui, je crois que les couches les... Enfin, où c'est le plus facile à en trouver, c'est 9 à 12 je crois. Un truc dans ce style, hein. Je sais pas si vous savez, vous pouvez me corriger. Mais... Donc oui, je le répète, ce n'est pas très intéressant. Je pense que vous faites chier à me regarder miner, mais bon. C'est essentiel. Parce que comme je l'ai dit, je vais essayer de faire, pour ceux qui connaissent, une maison type D cube. Oula, ça rebug là. Je reviens. Voilà, excusez-moi, j'ai été un petit peu coupé. Donc oui, je vais faire une maison type D cube pour ceux qui connaissent Bob Lennon et The Fantasio. Donc une maison assez bien, hein, c'est pas forcément énorme. Donc du lapis. Oups, et de la lave. Oh, non, 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 non. Voilà. Ah, c'est chiant, ça. On trouve du bon lapis, youpi! C'est quand même un papier à jacon, mais... Pas loin, quand même, quoi. Oh, non. Alors. En plus, il y a des creepers qui pètent de partout, hein. J'ai peur que je puisse pas rentrer chez moi, après. Alors, je vais pas prendre ce lapis-là. Tout de suite une rampe de... Oh! Du diamant, allez, minimum 3. Oui, 3. Bon, je fais quand même gaffe parce qu'il y a de la lave à côté, je l'ai vu. Oui! Alors, je vais casser là. Oh, trop bien. Alors, est-ce que je prends le risque de tout perdre pour récupérer un petit peu de lapis ou je m'en vais? Et là, je sais que si je fais ça... Eh, la lave. Ok. Moi, je m'en vais, je rebouche ça. Je m'en vais par où? Là. Oh, parce que j'ai largement ce qu'il me faut là. Trouver 6 d'or, je suis bien content. Ouh! Oh, 6 d'or, du diamant, qu'est-ce que je raconte? En plus, j'ai trouvé du fer dans le donjon tout et tout. Oh, bah c'est bien. Par où j'étais descendu? Par là? Alors, là. Donc, un petit épisode où vous avez eu minage et... Donc je sais pas trop là, moi qui quand je tourne je ne vois pas combien de temps je suis. Je regarde. Petit stop. Voilà, désolé de brusquer les choses mais j'atteins presque les 15-17 minutes. Donc je mets ici fin à l'épisode 3 de Hard Life. Donc peut-être que ça prend moins de temps parce que j'ai mis en accéléré, je sais pas trop, mais pour moi je suis déjà à 17 minutes. Allez, pour le prochain épisode, salut!